Bonjour tout le monde, c'est un grand plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui dans ce fabuleux décor. Mon nom est Jean-Sébastien Martin, j'ai le privilège de m'occuper de la programmation du Centre culturel des Jardins et ça nous fait vraiment plaisir cet été de prendre la route un peu partout dans la région, un peu comme des forains, puis d'aller à la rencontre des gens partout dans la Naudière, puis de proposer des soirées ou des journées un peu spéciales comme aujourd'hui. Donc, l'idée de la programmation était excentrée, était d'abord de mettre la pandémie le plus loin qu'on peut derrière nous, d'essayer d'oublier ça, de reprendre contact avec les artistes dans des contextes intimes, puis de redécouvrir notre belle région. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas demander mieux. Donc, on est content de vous y voir. Mettez-vous à l'aise. Coulez-vous un petit jus de pamplemousse ou quelque chose du genre pour vous rafraîchir parce qu'il fait chaud. Si jamais il y en a qui ont peur d'avoir de la difficulté à remonter la côte, hein, qui est quand même raide, vous pouvez le mentionner à Megan, puis on va essayer de vous arranger un transport pour remonter. Là, on veut que tout le monde passe un beau moment, puis il y a quand même la chaleur. Évidemment, il faut qu'on remercie des gens pour pouvoir faire ces spectacles-là gratuitement. J'aimerais remercier nos commanditaires qui nous soutiennent même pendant la pandémie, qui ont continué à nous soutenir, qui ont été solidaires. Merci à la Caisse des Jardins de Joliette et du Centre de la Naudière. Merci également à la Ville de Sainte-Mélanie de nous accueillir et à l'organisation ici du Parc régional des Chutes de Montapen. Ils méritent une grosse, grosse main d'applaudissements. Une autre gang qui mérite une belle main d'applaudissements, en fait, c'est toute l'équipe du Centre culturel des Jardins. Depuis le mois de juillet, ils travaillent soit dans la pluie, soit dans le froid extrême du 30 juillet, ou soit dans les chaleurs torrides des derniers jours. Donc, j'aimerais ça qu'on donne une grosse main d'applaudissements à tous les gens sur le terrain. Merci beaucoup. Ce soir, vous voyez, la gang de Synopsis est ici. Ils vont capter ce spectacle-là. Vous pourrez le voir sur Internet à la fin d'août. Donc, merci Synopsis d'être là. Merci à la Pruche Libre, qui est la compagnie de production derrière ces événements-là, les événements qui ont eu lieu à Saint-Gabriel, puis l'événement qu'on vous présente ici. Et finalement, merci à Patrimoine canadien et au Conseil des arts et des lettres du Québec de nous permettre de faire ces belles folies-là pendant l'été. Donc, la soirée de ce soir, en fait, j'ai la soirée, mais on peut dire le 5 à 7 de ce soir se veut un dialogue entre deux cultures dans ce décor magnifique ici avec la rivière qui coule. On sent le territoire lanaudois qui est là, puis bien, les deux artistes qu'on vous présente aujourd'hui. C'est la première fois qu'ils font une collaboration aussi soutenue. Ils ont collaboré dans le passé, mais de cette façon-là, c'est une première qu'on vous présente ici. Et puis, bien, c'est vraiment deux porteurs de tradition, deux monuments dans leur communauté, deux gens qui colportent et qui ont leur culture sur le cœur. Et on trouve ça magnifique de pouvoir avoir cette rencontre-là de ces deux communautés-là dans un bel esprit de cohabitation qui est très, très, très importante dans l'époque où on vit. Alors, je vous laisse profiter de cette soirée-là avec nul autre que Shawit et Yves Lambert. Merci, merci. Merci beaucoup. Ah, belle opportunité. Hey, hein, c'est rare qu'on fait ça, des affaires de même. Et Shawit, hein, mon ami, mon frère. Salut, salut. Salut, salut. Fait que, laissez-vous transporter dans nos élucubrations esthétiques, culturelles. Et allons-y. Thank you.
En canot je suis remonté, en canot je suis remonté. J'ai mis mon canot par terre, Nigo, Richtigo, Barnaba et Tralala. J'ai mis mon canot par terre, c'était pour lui. Ah oui, je t'en dis, Gauti, Paulie. Le bueno de minuit, Pégota, Winter, Skaja, Nijuagan. C'était pour lui parler, c'était pour lui parler. Nos pères, Nico, Ristico, Barnabo et Dradado, vous direz à nos pères, Père Lidido, oui, je t'en ai vous dit, posé. Tandé ma gauche, Tiagni, Joagan, Joagan, Tandé ma gauche. En avant le temps passé, en l'air du temps passé. Mais que vont dire nos pères, Nico, Ristico, Barnabo et Dradado? Mais que vont dire nos pères d'avoir si longtemps? Oui, je t'en écoute, j'ai tardé. D'avoir si longtemps tardé, d'avoir si longtemps tardé. Vous direz à nos pères, Rigo, Ristico, Barnabo et Tralalo. Vous direz à nos pères que la rivière est, oui, je t'en écoute, j'ai souillé. Que la rivière est souillée, que la rivière est souillée. Les beaux saumons sauvages, Ligo, Ristico, Barnabo et Tralalo. Les beaux saumons sauvages, travaillez pour si, oui, je t'en dis, vous tirez mon dé. Travaillez pour y remonter, travaillez pour y remonter. Mais il leur faudrait des ailes, Rigo, Ristico, Barnabo et Tralalo. Mais il leur faudrait des ailes, t'as fait le pouvoir, oui, je t'en dis, vous tirez mon dé. Nous sommes
Denica who give me time. Doing my Mr. Metat man, he got to have him down. Even though Chin Guasin, the Winchiguan, the Yaguin, the Winchiguan, the Pushkaguin, Chinny Kamanwa, the Chishin, he got shookish, but then Chishin, Nasinish, but nigger, but Chiguan, Chichitibish got the today, jumped up with Uchim and do, washed in a man with Chiganina, to miss the book of time. Ami Shawit. Un grand plaisir. Hein? Certain, c'est un grand honneur. Un grand honneur de partager ce moment-là ensemble, tous ensemble, avec vous aussi, sur le bord d'une très belle rivière qui coule. Oui, la rivière L'Assomption, oui. L'Outaragawasipi, en Atikamekw, qui veut dire rivière sinueuse. Ah, oui. on va en faire une bande. Oui, la prochaine s'appelle Kaotabanashkuchet. Ça veut dire celui qui fabrique le toboggan. C'est une chanson de feu mon ami Cyril Fontaine, qui lui, il jouait au tambour, paix à son âme, mort du cancer, il y a quelques années. Mais lui était très, très populaire chez les Innos et chez d'autres peuples aussi au Québec. Puis Kaotabanashkuchet, c'est vraiment sa chanson fétiche, là. C'est... Son hit de sa carrière. Ouais. Tabanashkuchin,
Ampen mukuchin 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 mukuyam. Utabanash kuchin mukuchin mukuyam mukuyam. We the muddy no da we ho de katayam. No we the muddy no da we ho de katayam katayam. Down do with the dishy. Ampen mukuchin. Ampen mukuchin 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 mukuyam. Utabanash kuchin mukuchin mukuyam mukuyam. Je dis à mon père dans le bois, je vais y aller, je vais y aller. Faut pas se décourager, les raquettes sont parées. Le troupeau de caribou vers nos familles, il faut mener. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller, s'en aller. Éveille-toi dans son pain, le jour est levé. Éveille-toi dans son pain, Laurent s'est levé, s'est levé. Les raquettes sont parées, on peut pas s'arrêter contre la famine, il faut lutter. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller. Le toboggan est prêt, on peut s'en aller, s'en aller. Un petit moitié ragoût, un petit moitié rayé. Ah ouais. Un, tu peux deux, tu peux trois, tu peux quatre. Hop, tap. Tchoupa, papa, chibidou. Bon matin, le pêche annonce des roues et s'est dépêché à s'habiller pour aller crier de médecin. Il part en tibogué, tigué-dop, y avouez donc, sa femme est bien malade, il faudrait la soigner. Qu'est-ce que la jument, tigué-dop, y avouez donc. Bonjour, docteur, dépêchez-vous, venez donc, c'est mon talmot qui agonise, c'est rhumatisme, la paralyse. Sautons dans le boguet, tigué-dop, yahweh donc. Alors que tu pensez, vous la mettrez sur pied. Guédop, la jument, tigué-dop, yahweh donc. Dedans son lit, la pauvre annonce la montre. Le docteur, il s'est penché pour écouter toutes ses douleurs.
Quelqu'un qui se dégonfle, petit guédop, c'est pas vacheux. La vieille a soupiré, le souffle y manquait. C'est qu'à court ralenti, petit guédop, puis c'est fini. Comme un petit enfant s'est dépêché à s'habiller pour aller crier monsieur le curé. En courant petit buggy, petit guédop, pis ah ouais donc, à ce cadre passé, faudrait l'enterrer. Guédop, la jument, petit guédop, pis ah ouais donc. Le père l'annonce riait comme un petit enfant, c'est aussitôt fait à l'idée que tout finit par s'arranger. La vieille au paradis, petit guédop, pis moi aussi, pourrais me trouver une petite mère à marier. Guédop, la jument, petit guédop, pis ah ouais donc. Merci à tous. Vous savez, j'ai eu la chance de faire des rencontres, des ateliers musicaux avec d'autres groupes, d'autres artistes. J'étais à Petite Vallée, ça doit faire 2 ans de ça. On avait un exercice à faire, un exercice littéraire, de composition. Il fallait qu'on fasse des tercets, des quatrains. Non, je ne m'en souviens plus. Là. Il fallait faire 8 pieds. Je ne sais pas s'il y en a qui me comprennent. Là. Faire 8 syllabes dans une phrase. Là. Puis, mettons, la rivière coule, elle est très belle. Bon, ça, c'est une phrase qui marcherait. Tu sais. J'ai fait une chanson, ça s'appelle Canicheté. Canicheté, ça veut dire Christine. Nous autres, on dit Knicheté. Mais ça s'écrit « Canicheté ». Puis, une belle chanson, je pense que vous allez apprécier. Ça parle d'un mariage. C'est en français, fait que je n'aurais pas besoin de traduire. Voici « Canicheté ». La soie, il se procurait pour la voile et le chemisier. Son saumon, il allait pêcher. Son caribou, il préparait. Du sapin, il se procurait pour la robe de canicheté. Ouh, pour la robe, il s'est ruiné. Ouh, pour la belle canicheté. Hey, hey, qu'est-ce qu'il ferait pour commencer. La bagoudoua s'était passée entre air, tambours et violons, guitares et accordéons, tous en place pour le set collé. Ouh,
Nishneshne. Comment allait-il annoncer que tout son coffre était vidé? Sa dulcinée s'apercevait que malgré la belle soirée, son mari était tout crispé. Elle sentait qu'il était inquiet. Mais Canicheté était rusée. Elle avait bien tout deviné. Mon mari, faut pas t'inquiéter. J'ai fait passer mon soulier. Avec ce qu'on a ramassé, on pourra même convoler. On reçoit toute l'aide désirée lorsqu'on vit en communauté. Hey! Ouh, pour notre sœur Canicheté. Ah, yeah. La prochaine chanson est une chanson extrêmement de circonstances et je pourrais dire extrêmement conceptuelle. En plus de l'affaire avec des musiciens extraordinaires, vous savez, cette rivière-là, l'image qu'on voit d'ici, là, ça, c'était l'image qu'on voyait dans l'introduction des belles histoires des pays d'en haut. Ça, c'était la rivière qui coulait parce que toutes les scènes extérieures des belles histoires des pays d'en haut, la version plus classique, là, pas la nouvelle version, l'ancienne version avec Jean-Pierre Masson dans le rôle de Séraphin Poudrier, dont il y a le pont qui a été érigé en son honneur. Viande à chien. Viande à chien. Et puis, fait que toutes les scènes extérieures ont été tournées ici. Et moi, j'ai découvert une chanson d'Oscar Tifo qui raconte tout ça. Fait que je vais vous raconter, ça s'appelle « Au pays de Bill Wobo ». Puis, vous allez voir, il y a de l'action. Puis, ça nous ramène quelque part dans nos souvenirs. Souvenir. OK, on y va. 1, 2, 3, 4. Au pays de Bill Wobo, été, hiver, il fait toujours beau. Quand c'est le temps de s'amuser, je vous dis qu'on se fait pas prier. Et sur le père Josaphat, on dansera tant qu'on pourra. Et sur le père Josaphat, on dansera tant qu'on pourra. Hein? On est allé dans un festin de galettes de sarrasin. C'est chez Raphaël Poudrier, c'est la place pour se régaler.
continue, y'en restera pas. C'est Rapin, Tina, Donald. Oh, si ça continue, y'en restera pas. On est allé sur Benobin, c'était de journée Hobin. C'est Rapin, y'en a tant mangé, qui était en train de s'étouffer. Perovin, c'est ta grosse belle d'eau. Ben, si t'as un petit soda. Perovin, c'est ta grosse belle d'eau. Tellement mangé qu'il est en train de paralyser. Pis ton dos, c'est à Georgiano. Arc-en-ciel, fais-y un coup de soda. Pis ton dos, c'est à Georgiano. Arc-en-ciel, fais-y un coup de soda. Séraphin fait voir le beau docteur. Il pensait qu'il était malade du cœur. Après une consultation, il s'est simple de prescription. Séraphin découragé, viande d'Achille, ça l'est me ruiner. Séraphin découragé, viande d'Achille, ça l'est me ruiner. Avec le père Ovid et Bibi le Wobo, Piccaribou, Codet, les sept, le grand Bardot jouait de la claquette. Et ton dog qui n'était pas tout là, soigne la maquesse avec la belle Ido. Et ton dog qui n'était pas tout là, soigne la maquesse avec la belle Ido. C'était dans le temps des élections, Piccaribou sort son flacon. Il dit faites pas ouais de rien, parlez-en pas à Séraphin. S'il s'aperçoit que je vous paye la traite, ils vont aller le dire à Pocrette. S'aperçoit que vous paye la traite, ils vont aller le dire à Pocrette. Séraphin à la mairie est venu à bout de tata Lexie. Il en a parti de morale, il dit je vais faire comme le père Pascal. Et avec son porte-manteau, il est parti pour le Colorado. Et avec son porte-manteau, il est parti pour le Colorado. Merci beaucoup. C'est une de Philippe McKenzie, un aîné de ma communauté.
Ah, ça, c'est une bonne chanson. Aiguin Boigué. On avait chanté ça au Centre culturel l'automne passé pour le spectacle à Joyce et Chacoan. Ouais. C'était Florent qui l'avait l'idée. Hein? T'en souviens-tu? Ouais. Là, je vais vous faire une chanson. Une chanson que j'ai épuisée dans le répertoire, le très grand répertoire et très, très... un répertoire très, comment on pourrait dire, très ouvert de Jean-Paul Guimond, un chef-d'œuvre qui m'a chanté il y a quelques années, qu'on a arrangé. Ça s'appelle Le Lacron. Et c'est une histoire qui raconte à peu près l'histoire de tous les villages au Québec. Ça, c'est à peu près ce qui s'est passé partout. Et on est comme... on mêle un peu le colonialisme
et la colonisation. C'est deux choses complètement différentes. Le colonialisme est politique et industriel, naturellement, et la colonisation, c'est une question de survie. Puis cette chanson-là parle de 400 ans de colonisation. Et s'il n'y aurait pas eu les Premières Nations pour nous aider à nous adapter aux hivers québécois, ben on aurait eu encore pas mal plus de misère qu'on a eu. Fait que ça s'appelle le Lacron. Écoute. Quitte tes amis, ton village, et pionnier de l'émigration. Vieux Canadien, fais ton bagage pour établir tous tes garçons. Viens sans hésiter dans notre comté, tes fils trouveront des belles terres dans les forêts de notre région. Et plus tard, tu vivras à l'aise en t'installant au bord du Lacron. À toi, ouvrier de la ville, je te le dis sans façon. Quitte l'atelier, l'usine, viens prendre la hache du bûcheron. Et viens défricher une propriété, t'auras sans arpent de terre, un jardin, une maison. Et la liberté tout entière, si tu habitais au bord du Lacron. Et lorsque la terre mise à nu par la hache du bûcheron, le sol fouillé par la charrue se couvrira de riches moissons. Et pour assurer ta prospérité, on va construire un chemin de fer qui traversera la région. En vendant tes produits plus chers, tu réussiras au bord du Lacron. Tu posséderas dans ton étable 5 à 6 vaches qui te donneront du lait, du beurre et du fromage pour alimenter ta maison. Des poules, des cochons, des oies, des moutons, 2 bœufs pour l'amour et ta terre, un cheval à ta disposition. Et tu finiras ta carrière habitant au bord du Lacron. Bientôt on verra sur ses rives l'œuvre de ses courageux colons. Un village avec son église, saint emblème de la religion. Et le Canadien, étant bon chrétien, méritera la vie éternelle. Dieu lui donnera son pardon. Il ira tout droit au ciel en quittant le bord du Lacron. Pendant
les dernières années, j'ai eu la chance de visiter plusieurs pays. Bon, juste en nommer quelques-uns. Bon, j'étais allé au Japon, j'étais allé en Corée du Sud, j'étais allé au Maroc deux fois. J'étais allé en Europe, en Amérique du Sud. Beaucoup de places au Canada. Puis j'ai remarqué que, tu sais, on est peut-être différents, tu sais, d'une place à une autre, d'une ville à l'autre. On a beaucoup de différences, mais on se ressemble tous. On se ressemble tous à quelque part. Tu sais, on est tous à la recherche du bonheur d'une ville à l'autre. Commencer à prier, fouiller quand je voyage d'une ville à l'autre. Je vois des gens dont la vie est morose. Et si on doit remplir cette fosse, qu'ils s'éparent de cette chose qu'on appelle le bonheur avant que la terre explose. Quand je regarde d'une ville à l'autre, je vois que les gens cherchent toujours la même chose. En quête de la vérité, ne sachant où regarder, fouillant sans cesse à droite et à gauche avant que la planète tourne. En plus artificiel, le monde mène leur petite vie sans se soucier de l'éternel. Pourtant, c'est un truc de gratuit, c'est le ticket pour le ciel. Nous savons tous que l'avenir de nos enfants est précaire. Nous faisons tout pénétrer la terre. Nous ne pouvons échapper au destin. Nous avons l'impression de rechercher en vain comment se sortir de ce pétain. Mais faut pas se décourager. Surtout l'important, c'est de ne pas laisser tomber. Faut surtout pas baisser les bras. Faut éviter de sombrer dans le désespoir. En vérité, il y a de l'espoir. Tout ceci, c'est que le bien croit. L'éternité qui mettra tout son cœur sera récompensée, car il y a bien quelqu'un qui est là pour nous sauver. Mais ça, c'est le sujet d'une autre histoire qu'un jour je chanterai. Moi, je voyage d'une ville à l'autre. Je vois des gens dont la vie est morose. Et si on remplit cette fosse qui ne sépare de cette chose qu'on appelle le bonheur avant que la terre explose. Moi, je regarde d'une ville à l'autre. Je vois que les gens cherchent toujours la même chose. En quête de la vérité, ne sachant où regarder. Fouillons sans cesse à droite et à gauche avant que la planète tombe en mille morceaux. Oh, 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 oh. En mille morceaux. Oui, 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 oui. Merci, je ne suis maintenant. Un, deux, trois, quatre.
chandan, chimen meni oui. Kina matandan is de agushi. Achuke ka wita mui. No matter bush ka jete. Nas mutsandan tamitan jui. O shan shash kenina chispundin den yuan. Merci, merci du fond du cœur.
C'était une valse de Jean-François Bélanger, un natif de Sainte-Mélanie, justement. Hey, mon, qu'est-ce qu'on fait, là? Là, on fait une chanson que j'ai composée. Moi, j'ai eu la chance de me faire inviter sur le gros show de Saint-Jean. En 2017, je pense que c'est là, l'occasion du 375e anniversaire de Montréal. Ils m'ont invité pour faire une chanson, pour essayer de faire une chanson d'introduction à une chanson qui allait se faire à ce moment-là. Ça parlait de Paul Chomedey de Maisonneuve, qui est l'un des cofondateurs de la ville de Montréal. Et on m'avait demandé si j'avais pas une chanson qui parlait du temps d'avant la colonisation. Puis ben, j'en avais pas. Fait que j'en ai fait une pour l'occasion. Tu sais. J'ai fait une chanson qui pour introduire cette chanson-là. Là. Je me suis demandé premièrement comment j'allais faire ça, tu sais, parler sans mettre personne à dos. Là. Je me suis mis dans la peau d'un de mes ancêtres qui était là, lui, lors de du temps de la colonisation et tout ça. Puis, faut pas oublier qu'il y avait une grande amitié entre autochtones et non-autochtones. Puis, à ce moment-là, tu sais, je me suis demandé qu'est-ce qu'il y avait comme rêve, qu'est-ce qu'il y avait comme espoir pour l'avenir après cette alliance-là, qu'est-ce qu'il y avait comme rêve pour l'avenir des jeunes et tout ça. Alors, voici une chanson qui s'intitule « Bienvenue, Nuit Jewan ». Nuit Jewan, ça veut dire « mon ami ». Bienvenue, bienvenue mon ami. Quelle belle rencontre, j'en suis ravi. Faisons de plus amples connaissances, mon cher ami. Bienvenue, bienvenue mon ami. Ça ne doit pas bien aller dans ton pays pour que tu viennes te réfugier ici. Nous désirons vivement vous aider. Lions-nous d'une durable amitié. Faisons que nos liens tissés ne soient jamais brisés. Lions-nous d'une grande amitié. Il y a de la place, on peut cohabiter. Ta manière, la mienne, ensemble on peut échanger. Vous soyez bienveillants. Grandirons ensemble et nous serons nombreux. Nous cohabiterons ensemble et nous vivrons heureux. Nous protégerons ensemble l'environnement si précieux. Nous sommes assez bons pour accueillir les autres. Nous ferons notre passé pour être de bons hôtes. Nous marcherons côte à côte, côte à côte. Faites attention à nos enfants. L'amour qu'on leur porte est aussi grand que l'océan. Que cette amitié ne puisse jamais se briser. Et si c'est le cas, il ne faut jamais oublier que tout peut se réparer.
m'amène tout gauche les nuits, tu vois. Ne m'en d'un jusqu'à temps. Où chante-tu, strap de nuit, tu vois. Hey, 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 tu m'amènes tout gauche les nuits, tu vois. Ne m'en d'un jusqu'à temps. Où chante-tu, strap de nuit, tu vois. Mesdames et messieurs, je crois que c'est le moment de présenter les musiciens. Oui. On approche de la fin de cette expérience. Mesdames et messieurs, au violon, au pied, à la mandoline, au banjo, Robin Boudiane, mesdames et messieurs. À la guitare électrique et acoustique, mesdames et messieurs, Nicolas Babino. Je te laisse présenter tes musiciens. À la batterie, Frank. Corriveau. Corriveau. Je m'en souvenais même pas. Ça fait pas très longtemps qu'on joue ensemble. Et bien sûr, Patrice Agboku à la basse. J'ai laissé le soin de Shawit de présenter Patrice. Parce que Patrice, ça fait quand même une bonne dizaine d'années qu'on se connaît, je pense, hein, à peu près. Mais je l'appelle Patrice Ogonou. Je n'ai jamais son nom de famille. Fait que merci beaucoup aussi à tout le Centre culturel de Joliette, une équipe avec le courage d'explorer des nouvelles façons de diffuser la culture. Et bien bien, c'est une bonne chose pour l'avancement et faire des expériences. Fait que bonne main d'applaudissement. Un gros merci au Centre culturel de Joliette pour nous permettre de faire des expériences de ce genre. J'aimerais aussi remercier la Pruche Libre. On l'a fait au début, je le fais à la fin aussi. Je suis, on pourrait dire, vice-président de la Pruche Libre. Et puis c'est ma compagnie, et puis notre compagnie, et puis impliquée dans la diffusion de la musique. Et puis... on est bien ouvert à des expériences du genre aussi. J'aimerais aussi remercier Musique Action, une institution fédérale qui finance les albums et les projets musicaux depuis longtemps et qui nous a permis de financer ce genre d'événement-là. Et il y a eu deux autres événements à Saint-Gabriel, tous dans le même cadre de financement par la Musique Action. Fait qu'on les en remercie. On a beau chialer sur bien des affaires, tu sais. Oui, bon, mais une chose est sûre, c'est qu'au Québec, on a des structures. Moi, je suis un musicien, un artiste depuis longtemps, on a des structures qui permettent de financer des projets comme ça. Puis il n'y a pas ben de pays dans le monde où il y en a des comme ça. On est privilégié et c'est bon qu'on le dise, c'est bon que vous le sachiez aussi. Parce qu'au Québec, on a une structure qui permet... de faire pas mal de choses, puis on en est reconnaissant. Voilà. N'est-ce pas? Tout à fait. Okay, oui. Après ça, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a? Puis qu'est-ce qu'on ne s'est pas dit? En tous les cas, moi, les chutes montent à peine. J'aime ça. Moi, tout. Et j'aimerais aussi remercier Synopsis aussi. Hey, n'oublions pas Synopsis qui filme tout ça. 8 caméras, une 6 pieds à Robin, un autre drameur, M. Corriveau. 7 en avant. Hey, que dit que... Non. Fait que merci beaucoup à Synopsis, une compagnie de Lanaudière, de Joliette, présente en plein projet. L'avenir est dans... De toute façon, ça a toujours été la collectivité, travailler en travailler ensemble, travailler en proximité. Fait qu'un gros merci, on va vous en faire une petite dernière, puis si vous en voulez un autre après, si vous êtes bien, bien,
insistant, ben, il y en a une maudite bonne à bras aussi. Fait qu'on y va avec... je me cherchais une chanson dans mon répertoire qui pour être conceptuel, pour aller avec la rivière, puis j'ai trouvé celle-là. Elle est un peu tirée par les cheveux. C'est une chicane de ménage, en fin de compte, mais là, on parlera pas de ça. On va la canter à l'aise. Oh, Quasimodo, Quasimodo, qu'as-tu fait hier soir? Quasimodo, Quasimodo, qu'as-tu fait hier soir? Oh, j'ai descendu la rivière, tatarili, tatarili, laratitarilon. J'ai descendu la rivière, tatarili, laratitarilon. Oh, Quasimodo, Quasimodo, qu'as-tu fait la rivière? Quasimodo, Quasimodo, qu'as-tu fait la rivière? J'ai vu une jolie bergère, j'ai vu une jolie bergère. Quasimodo, Quasimodo, qu'as-tu fait la bergère? Quasimodo, Quasimodo, qu'as-tu fait à la bergère? Nous sommes assis par terre, tatarili, tatarili, tatarili. Nous sommes assis par terre, tatarili, tatarili. On s'est donné des beaux becs, tarilililaratarilla. Quasimodo, Quasimodo, qu'est-ce que dit la bergère? Quasimodo, Quasimodo, qu'est-ce que dit la bergère? J'ai vu arriver son père, tarilililaratarilla. J'ai vu arriver son père, tarilililaratarilla. Quasimodo, Quasimodo, comment finit l'histoire? Quasimodo, Quasimodo, comment finit l'histoire? Je tournais auprès de ma femme, tatarili, tatarili, laratarila. Je tournais auprès de ma femme, tatarili, laratarila. Qu'est-ce que le dit ta femme? Quasimodo, Quasimodo, qu'est-ce que le dit ta femme? Mes deux valises étaient prêtes, tatarili, tatarili, laratarila. Mes deux valises étaient prêtes, tatarili, laratarila. On ira pas loin. On fera pas comme d'habitude. On va faire comme si vous avez fait un rappel. Il a pété son énir. Hey, en tout cas, mesdames et messieurs, merci d'être venus en espérant que vous avez passé un beau moment. Et puis,
Si ça vous tente de danser, sa prochaine, c'est un petit ragout, un petit reggae, pas mal intéressant. C'est dur sur le galant, là, mais des fois. Hein? Envoyez donc. OK, on commence ça. Voici une chanson sur l'amitié. Mon meilleur ami se nomme Jean-Baptiste Laurent. Mais en ino, ça donne Chapatèche Nona. J'aimerais ça que vous le fassiez avec moi. Quand je vais dire Chabadèche, vous allez répondre Nona. Nona. On essaie ça? Le mystery G Wato Shabadish Nona. Le mystery G Wato Shabadish Nona. Nataman Rawina no Shabadish Nona. Le mystery G Wato Shabadish Nona. Nataman Mano Shabadish Nona. Ok, vous avez compris le principe, je pense. Est-ce qu'on fait ça? Shabadish no na isha kada kano Mr. Gudago jubano nen wichiwan Batamego shu jubano No matter na mashkawa demon wichiwan No matter wa wichikde chikwan wakman No matter na mrade mita de tayan No matter shenen jiji wichi watuk shabadish No na namashita wichi watu shabadish Namashita wichi watu shabadish Natamen rawina no shabadish No na namashita wichi watu shabadish Natamen de tane niga de ten wichiwan Merci du fond du cœur, Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Yves, merci à tous.
kadan ichewat the menen den den jush kadan chimamen tu gusni nichewan the menen den den jush kadan usham chinis drop me.